L'université Panthéon-Assas, depuis plusieurs années, cherche à réaliser son ambition internationale. Et cela a commencé notamment en 2009 avec la création de notre premier campus délocalisé à Singapour. Et nous étions à la recherche depuis assez longtemps d'un deuxième campus pour l'Afrique. Le choix de Maurice s'est imposé pratiquement de lui-même pour au moins trois raisons. La première raison, c'est la situation de privilégié de l'île Maurice en Afrique, avec une situation géographique privilégiée qui nous permet, en nous installant à Maurice, de rayonner sur une zone économique, sur une zone d'échange très importante, une zone très dynamique au niveau économique et au niveau également académique. Et donc la situation géographique de Maurice nous a immédiatement séduites. La deuxième raison importante, c'est les partenaires que nous avons trouvés à Maurice. Des partenaires très forts, très solides, des partenaires très dynamiques, et je pense en particulier au premier d'entre eux, le groupe Medin, qui porte en grande partie ce projet et qui a été un partenaire de premier choix dans notre projet, dans la mise en œuvre de notre projet à l'île Maurice. Et autour de Médine, d'ailleurs, se sont agrégés d'autres partenaires, notamment les partenaires de la communauté juridique mauricienne, de la communauté legal mauricienne, qui sont apparus très dynamiques, avec une volonté très forte d'aller de l'avant et de nous accompagner dans ce projet. Et puis la troisième raison, c'est une raison liée au projet ambitieux du gouvernement mauricien qui est de faire de Maurice une plateforme de référence sur le plan économique, mais aussi sur le plan juridique, sur le plan de l'éducation en Afrique. Et il nous a semblé que notre projet à Maurice, de ce point de vue-là, rejoignait parfaitement les ambitions du gouvernement mauricien. Et donc c'est ces trois raisons, géographiques, économique partenariale et puis aussi le projet gouvernemental de Maurice qui ont conduit l'université Panthéon-Assas à choisir l'île Maurice pour installer son deuxième campus délocalisé dans le monde. C'est toujours une très grande satisfaction et avec une pointe d'inquiétude doublée d'une pointe d'excitation de voir un campus délocalisé très loin de la maison mère en quelque sorte. Ça a été le cas en 2012 lorsque le LLM, International Business Law, a été ouvert à Singapour sur le campus de l'INSEAD où nous avons accueilli notre première promotion. C'est le cas évidemment et ce sera le cas puisque je serai là à ce moment-là au mois de novembre prochain lorsque le 16 novembre nous accueillerons la première promotion du LLM International Business Law à Pierrefonds sur notre campus mauricien et ce sera sans doute encore plus le cas je crois en octobre 2016 lorsque nous ouvrirons le LLB parce que le LLB nous accueillerons des étudiants qui n'ont jamais fait de droit par définition, nous les accueillerons dans un campus juridique et nous commencerons à participer à ce moment-là à la formation de ces jeunes générations de juristes qui étudieront sur notre campus à l'île Maurice.